Salut tout le monde, ici Bob, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de cartes Itajaga Part 2 Donc je les ai reçues ce matin, ça tombe bien, je suis en vacances donc on va pouvoir se faire la petite vidéo du coup tout de suite euh, Toujours cette petite gaufrette dans les, dans les boosters, alors vous avez euh, cette fois-ci 29 cartes Vous avez toujours une secrète et euh, toujours cette petite gaufrette euh, goût, euh, goût paprika. Voilà. Donc euh, quelques visuels. Voilà. Donc normalement il y a 20 sachets dedans. Exactement, c'est marqué là. 20 sachets. Donc on va, on va préouvrir tout ça. Et on se retrouve du coup euh, tout de suite pour la première box. Voilà, on vient d'ouvrir la première box. Du coup, euh, trois types de boosters. Un joli booster, du coup, avec, euh, avec un Végéto et puis un, un, un zamas. Voilà. Euh, on fera les, les descriptifs après des parts. Vous avez Son Goku avec Frieza. Et vous avez un, un Piccolo et un Son Gohan. Alors, ils appellent ça Beast du dernier film euh, Dragon Ball Super Super Hero que je n'ai d'ailleurs toujours pas vu voilà donc euh, on attendra peut-être une sortie euh, une sortie Blu-ray voilà et donc du coup euh, la composition de la part donc là on est plus sur euh, je crois qu'on était sur 24 cartes sur la première part là on passe à 28 vous avez du coup euh, 7 raretés donc les blanches les normales vous avez ensuite les bleus, donc vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, les rares. Ensuite, vous avez des oranges, donc les oranges, vous en avez quatre, donc SR, super rares. Ensuite, vous avez les AR, donc les, les roses, donc il y en a quatre, je ne sais pas ce que c'est, ce que ça veut dire AR. Ensuite, vous avez les, les bleus, les sortes de les bleus comme ça, donc vous en avez trois. Euh, les CR, je ne sais pas non plus ce que c'est, ce que ça veut dire. Vous avez deux super, super rares, donc la une et la trois. Qui vont sûrement concerner, euh, je pense, le film Super euh, Dragon Ball Super Super Hero. Et enfin, vous avez la 29, donc la violette, qui est là, la, la secrète. Voilà. donc, euh, Alors, moi, je me suis fait spoil les visuels, donc je ne, je ne vous dirai rien. Euh, je vous laisserai la surprise. Mais du coup, il y en a une. Et, euh, et elle est très belle. Voilà. Donc, euh, on va commencer. On va remettre ça tranquillement. Et on va commencer, du coup, par les. Les végétaux. Alors, je vous ai pas dit, bien sûr, mais le, le gâteau est toujours là. Alors, clairement, moi, je pense pas que je les mangerai là cette fois-ci. Je pense que, je sais pas, je suis le à un pote, euh, voilà. Mais les gâteaux, clairement, les euh, sur la première pâte, j'avais carrément fait une indigestion de ce truc-là. J'en avais, avais, je m'étais forcé à tout manger. Alors, c'est pas mauvais, mais euh, genre, vous en mangez une ou deux, et après, c'est fini, quoi. C'est tellement chimique, ce bordel. Enfin, voilà. Du coup. Alors, on a la numéro. La numéro combien La numéro 6. Donc, vous voyez, hein, je vous montre bien, deuxième part, numéro 6, la rareté du coup. Bien sûr, hein, Bandai, Bandai Made in Japan. Un petit, euh, un petit focus du coup sur, euh, sur le combat entre tous les deux. Et donc, Végétaux versus Fusion Zamas. Les effets de d'orure sont vraiment très belles. Voilà. Donc une, euh, une SR pour commencer. Ah bah. Alors non, ça c'est pas une... Euh, ça c'est une normale, je pense. Ouais, une normale. La numéro 14. Allez, franchement, le visuel, il est incroyable. Alors bien sûr, toujours cet effet un peu, euh, un peu métal sur les cartes, que j'aime beaucoup. Regardez ça. Très joli Bulma. En partance pour la planète Namek. Ouais. Son Gohan Beast. Voilà. Pff, je ne je, je sais pas quoi dire de cette transformation. C est, c est... Je n'ai je, je, pas encore vu le film, donc je ne peux pas vous dire. Euh, voilà, donc, voilà, comme je vous disais, numéro 1. Donc SSR. Donc je me doute que du coup, la... L'autre SSR, ça sera peut-être un, un piccolo, on ne sait pas. Le dos, par contre, est bien. Comme sur la part 1, ils reprennent du coup les dos euh, d'une couleur différente. Ouais, pas mal. Ouais, les effets, franchement, là, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais en fait, on a des petits effets, du coup, là, sur, sur les éclairs, qui sont vraiment bien. On les voit un petit peu. Ouais, pas mal. Donc une normale je pense. Ouais. La 20 de Gohan. Donc on, on se souvient de vraiment de ce moment là quand il, euh, quand il envoie du coup une énorme. Euh, énorme boule du coup sur Frieza. Quand il est euh, en, en première transformation. Hop. Vegeta. Pareil, on est, sur, euh, on est sur la période d'un mec, numéro 17, normal. Alors, bien sûr, hein, 20 cartes, hein, donc du coup, euh, pas de full en une box, donc il faut au minimum commander deux boxes pour avoir un full. Euh, bon, J'en ai pris trois, on verra, on espère qu'on aura un full en trois. Alors, si j'arrive à avoir un full en deux, je vous avoue que la troisième, je ne l'ouvrirai pas. Ça serait super. Goten du film Dragon Ball Super Super Hero euh, la numéro 5 donc pareil donc je pense qu'en fait les, les, les cartes du film donc où, du coup auront on vraiment ce, cet effet au dos donc du coup cette, cette reprise du visuel je pense que c'était la même chose sur la partie 1 et donc du coup ils font la même chose pour la partie 2 voilà donc euh, un Goten donc il y aura sûrement un Trunks je pense euh, ouais ouais pas mal pas mal Goku Black, donc euh, Super Saiyan Rose, c'est. Une SR, la numéro 9. Ok. Donc, on a fini les boosters végétaux. On va passer du coup maintenant aux boosters avec euh, Goku et Frieza. Euh, ouais, pas mal. Pas mal. Son Goku en Super Saiyan Blue. Une rare. Bon, le dos n'est pas terrible, mais bon. Pas grave. Frieza. Mero 16, une rare également. Non. Il pouvait encore se, se vanter d'avoir un corps euh, pas trop modifié à l'époque. <laughs> Quand il lançait la boule. Enfin, en tout cas son, son Kenzan. Yes, très joli, très joli, bon ça je pense que c'est du Feigno, hein. ça se voit, L illustration de Feigno, attendez je vais bien remettre la, la cam, voilà, c'est du Feigno, ça se voit, Son Goku Super Saiyan 3, euh, AR, la 22, très joli, très très joli. Eh ben, c'est peut-être du feigno, ça aussi encore. Euh, Son Goku en Super Saiyan 4. La 25. Une AR encore. Donc deux AR de suite. Alors je pense que ça, c'est euh, Kamehameha puissance x10. Voilà. Je pense que c'est pour moi la plus jolie, en tout cas, de ce que j'ai tiré pour l'instant. Alors la Bulma est pas mal, mais celle-là, vraiment. Euh je vous avoue, quand on parle de SSJ4, je ne suis plus très objectif. Euh, Zamas. Rare en 8. Très bien. Trunks en Super Saiyan. La 10 en rare. Très bien. Ouais, super joli. Alors pour l'instant, pas de. Pas de CR et pas de double non plus, ça c'est plutôt pas mal. Donc, son Gohan Ultimate, comme il l'appelle, une AR, donc à 24, donc trois AR pour l'instant, troisième en tout cas. Ouais, feignot, ça encore. Hein. Allez, on s'attaque au booster Gohan Krillin, Kulilin. Toujours PRN Namek. Qu'est-ce ouais, que je l'aime bien quand il est avec son... avec son armure comme ça. Son Goku, donc qui reprend l'illustration du booster. Voilà. Une, euh, une SR, donc la 15. Bon, bah, je crois que toutes les illustrations viennent de Fenyu, hein, je pense. En tout cas, une grande partie. Ah, regardez, alors, ça, c'est la secrète, voilà, bah écoutez, première secrète, alors, regardez les effets, là, sur le côté, là, on voit, du coup, les effets, euh, les effets prismes. Euh, la secrète, euh, dans la première box, bah, écoutez, c'est très cool, voilà, la 29, première secrète, très content, Illustration de Toriyama, donc Goku sur le Soldino, euh, qui est d'ailleurs en, en couleur alternative, parce que je crois que normalement, elle n'est pas comme ça, la couleur. Et vous comprendrez pourquoi. Je la mets là, si on arrive à tirer euh, une autre carte. Voilà, donc le Goten, donc là on a le Trunks, numéro 4, Piccolo. Toujours Perrin mec Numéro 18. Ouais. ouais. Super joli. J'aime bien Piccolo. Dernière. Dernière. Eh ben, je crois que c'est la deuxième SSR. Eh ben, voilà. Qu'est-ce que je disais Les deux SSR, c'est les deux... Des, des, le Gohan et le Piccolo, du coup, du film à Ball Super. Super Broly. Numéro 3. SSR. Orange Piccolo. Bon, ok, on ne s'attendra pas sur le sur le nom. Ok, bah écoutez, plutôt euh, cette première box, elle est incroyable, puisque du coup, j'ai deux SSR et j'ai la secrète. Euh, toc, on va faire ça rapidement pour passer aux suivantes, mais allez euh, où Allez là, voilà. On est, plutôt, euh, on est plutôt, bien garni pour cette première box. Donc la secrète et les deux, les deux SSR, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite et on ouvre la deuxième box. Voilà ok, du coup, deuxième box, on va aller un peu plus vite du coup. Alors, Trunks, j'ai déjà. Il m'en manque neuf du coup. Goten, pareil, j'ai déjà. Vegeta, pareil. De toute façon, c'était sûr qu'il y aurait des doubles. Euh, encore une secrète, encore la secrète incroyable! Double! Double de la secrète. Un gâteau en plus. Hein. Double de la secrète. <laughs> Heureusement qu'elles sont plastifiées parce que franchement, le, le, le plastique il est vraiment. Euh, il est vraiment. Euh, C'est pas gluant mais ça, ça glisse quoi. Donc, deuxième secrète. Ensuite. Je l'ai déjà. Ah maille. Maille. Numéro 12. Très bien. Que je n'avais pas. Et à ah, Guignou. Numéro 21. Que je n'avais pas non plus. Non plus que 7. Le SSJ4. Très bien. Goku Black que je n'avais pas. Rare numéro 11. Ok, donc je pense qu'on ouais, on se concentre sur, euh, sur euh, l'arc trunks du futur, sur Free sur euh, Namek, et sur le film Dragon Ball super, super hero. Bulma que j'avais déjà. Mais elle est sympa, je, je, vraiment, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Et ben, une, une double de Goten dans la box. Très bien. Ben une double de Végéta, donc on aura une double de Trunks peut-être. Jamais. Non. Gotenks. Gotenks que je n'avais pas. Super Saiyan 3. Une AR 23. Ça me fait un peu peur parce que j'ai toujours pas de CR. Peut-être dans les dans les derniers boosters euh, végétaux que j'ai déjà. Euh, quoi que. Euh, non, je l'ai pas celle-là. Je ne l'ai pas. Euh, effectivement, je l'ai pas. J'avais celle-ci, mais c'est pas la même. Donc, eh ben, une de plus. Allez, ensuite, Bulma. Donc encore une double. Son Gohan que je n'avais pas non plus. Numéro 2, SR. Euh, combien j'en ai là 1 2 3 4 5 6 Il me manque 3 Il me manque, il manque, il manque les 3 CR Il me manque les 3 CR J'ai déjà J'ai déjà Et de 1 Et de 1 La 28 Donc son Goku versus Frieza donc, euh, illustration de Toriyama. J'aime beaucoup. Très belle. Plus que deux. Alors, on espère avoir au moins une deuxième dans celle-là. Allez, la deuxième. Hey Alors, quand je vous disais tout à l'heure, regardez. Voilà, je vous mets la secrète et je vous mets du coup la, la deuxième CR. Donc, on voit effectivement que, euh, que l'illustration, en tout cas, originale, c'est celle-ci. Avec les bonnes couleurs et du coup celle-là, c'est euh, couleur alternative. Voilà. Alors celle-ci, je ne sais pas si on voit bien, mais euh, les effets, euh, sortes d'effets euh, sur le bleu, ils sont pas mal aussi. Voilà. Voilà. Bon, c'est bien et pas bien en même temps. J'aurais préféré une autre illustration, mais bon, au moins l'illustration, enfin je veux dire, l'illustration le, le... Ouais, est très belle, mais ils auraient pu effectivement peut-être en faire une, une autre différente. Voilà. Eh bien, il me manque une carte. Il me manque la... Il me manque laquelle Il me manque la... La 26. Euh... Donc, eh ben, écoutez, on va ouvrir la dernière box. Voilà, à tout de suite. Troisième et dernière box. Alors, j'espère que je ne vais pas revivre ce que j'ai vécu sur la part 1 avec du coup, euh... eh bien, zéro carte euh, que j'avais pas dans la box donc il m'en manque une. Donc Goku, il me manque du coup la 26. Gohan que j'ai. Bon, allez. La SSR, OK. Frieza pareil qu'on retrouve sur ce booster là. Euh ouais SR Oh là là. J'ai des doubles dans les box quoi. Ça c'est vraiment pas de chance. Goten Vegeta Trunks Ginyu Colo. Allez, on y croit maille, toujours pas de CR. Alors, je sais pas, pourtant, j'ai vu des vidéos où des mecs en avait plein, et moi je galère. Une AR Frisa. Ouais j'ai les deux SSR bah je crois que je l'aurai pas. Je crois que je l'aurai pas parce que je crois que les SSR euh, prennent plutôt le pas sur les... Enfin en tout cas si t'as des SSR t'as pas des t'as pas de CR et inversement. Donc je l'aurai pas. Incroyable. Enfin, je me retrouve du coup... Ah bah si j'en ai une là, mais c'est pas la bonne. J'ai des bêtises. Allez, on ouvre le dernier paquet. J'espère qu'on va l'avoir. Ben bah, non, voilà. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Donc la dernière qui me manquait, c'était le Goku P1 euh, Dragon Ball. croisé les bras. Donc bah je l'ai pas. Ça fait. ça fait yash. Mais euh, c'est comme ça. Euh, bah, du coup, je ferai sûrement du coup une, un échange avec, euh, avec Laurent. Avec, euh, avec tout le monde, du coup, qui qu commandait la box, Voilà. Et, du coup, euh, je vous remonte quand même les cartes. Donc, Gohan, Gohan, Piccolo, Trunks, Goten, le combat Végétaux contre Zamas. Donc, Végétaux, Zamas, Black, Rosé, Trunks, Black, Mai, Goku, Bulma, qui est très joli, très très joli. Son Goku, Frieza, Vegeta. Colo, Krillin, Gohan, Ginyu, et là du coup on arrive sur les cartes un peu plus cool, en tout cas que j'aime bien, Goku, Gotenks, Gohan, en Goku en Super Saiyan 4, et les CR, donc euh, Goku, le combat, Goku Frieza, et la secrète en couleur alternative, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez plus de chance que moi ceux qui ont tiré des, des cartes. Et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Salut